It's never gonna hold me down. And you know it. It's only gonna help me see. Yeah, turning my life around. No one ever listened to the things you say to me. But we can't let this feeling hold us down. Cause I can't belong and I can't believe. It's only gonna help me see. We can be strong and we can't concede. Turning my life around. Just giving it all for what you believe. J'adore danser. Je suis dentiste. Nous, on étudie dans une école libre. On vote nos propres règlements. Danser seul, danser avec ma fille, surtout danser sur du Lionel Richie. On fait un peu ce qu'on veut. Les adultes n'ont aucun pouvoir sur nous. RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. Près de 140 films, des ateliers, des soirées festives, du 12 au 23 novembre. RIDM.qc.ca. Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, Radioactif, de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval. L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute, d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Turp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. Les productions Nues d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 9e édition des Célidors de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2014 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez silidor.com. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Poulet barbecue. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Pâte au beurre. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Toast au beurre de peanut. Maman, est-ce qu'on mange pour souper? Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090. Visitez lagrandeguignoledesmedia.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxi, Loblaws. Donnez généreusement. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. Quand j'ai su que c'était un homme, je suis assez content. Semaine après semaine. Il n'apprend pas. Je n'apprends pas, effectivement, semaine après semaine. 176e émission. Je suis comme la mère d'Étienne. Comment ça va? Ça va bien. Il y a vraiment beaucoup de monde autour de la table. C'est impressionnant. Il y a des semaines qu'on n'arrive pas à être deux, tabarnak. Là, on est huit. Hey, je suis jamais content. Jamais content. Hey, Julien Bernatché avec vous. Jamais ça. Il se tête une job dans le FM. Les choses que je tête. Puis c'est ça. Il y a Mathieu, on va faire l'auto. Mathieu Niquette. Allô. Comment qu'il va? Ça va très, très, homme, très bien. Homme de théâtre. Ouais, ouais. Homme fidèle en amour. Très content de te voir. Ouais, c'est juste, je suis jamais en amour. Fait que j'ai jamais besoin d'être fidèle. Toi, t'as-tu. Tu comptes avoir une fille dernièrement, Mathieu? Hein? Y a-tu une fille? As-tu une fille en vue? Oui et non, oui. Ah oui, j'aime ça parce que tes parents écoutent l'émission. Oui. Ah, c'est vrai, tes parents écoutent l'émission. Écoute, c'est des aventures, c'est la vie. En aventure. Hein? Étienne Forêt, c'est la jungle. Comment qu'il va? Ça va très bien. Oui, voilà, on lâche pas. Maxime Gervais. Hey, what's up? Hey, t'es bien chill le matin, Max. Oh, gars, moi, là, honnêtement, je suis dans un mood de chemise de jeans, puis je l'ai pas mis, ma chemise de jeans. Bon, c'est dans ce mood-là, mais il l'a pas fait. J'aurais dit la merde. Sophie Croteau. Oui. Comment va Al?
aussi bien que moi? Non, je sais pas. OK. Hey, je veux juste dire, faire un shout-out à moi-même, parce que j'ai réalisé... Qui le fera, sinon? j'ai poussé plus loin ma chronique d'il y a à peu près probablement un an. Vous rappellerez cette mémorable chronique où j'étais, où je parlais de Chris Hadfield, puis à quel point il était extraordinaire. Mm-hmm. Ah, il ben, j'étais allée le voir, puis il est vraiment extraordinaire. Dans l'espace? Non, okay, juste au Indigo. Chanté une chanson? Non, mais il m'a donné plein de conseils de vie, puis il m'a dit de suivre mes rêves, puis c'était super émouvant. Ah, c'est un bon conseil, ça. On a ri de lui. Oh, puis va dans l'espace. Ouais. Okay. On a ri de lui parce qu'il aime les Maple Leafs. Ah, ben non, c'est ça. Mais avec raison. On n'a plus de respect. Ben voilà. Et vous avez entendu Nicolas Fournier-Larocque. Mm-hmm. T'es pas venu plus spécial ska, je pense. Ben non, je suis venu entre-temps, voyons donc. T'es venu entre-temps? Ben demande à Marianne. Fait que c'est ça. Mais oui, écoute, content de te voir. Comment va Marianne? Elle va très bien, mais elle est au musée, fait que ça va très mal. OK, oh, elle aime pas ça. Marianne travaille au musée 3 jours par semaine, je crois. Mmh. Mmh. Mais non, depuis son retour aux études, une fois par semaine. Une fois par semaine, elle se dit en quoi, Marianne? Ben, tu sais à quoi on étudie. Les auditeurs à la maison. Je sais pas, je me rappelle pas. Elle étudie en bibliothéconomie. Ah, ben, donc elle pourrait travailler à ma job. Elle étudie avec un ami et fidèle auditeur, Jean-Michel Daou, qui nous On les salue, on les salue. En fait, c'est un fantasme de sa part de devenir ton boss. Ah, ben, quand elle aura fini ses études, je peux quand même peut-être l'aider à trouver un emploi, on sait jamais. Et quasi! Oui! Ben voilà, elle avait hâte qu'on la nomme. Comment qu'elle va? Elle va super bien. C'est quoi ton vrai nom? On ça commencera. On va dire ça aujourd'hui, ça commencera. Ah, oui, ben... Mon Dieu, mon vrai nom, c'est Karine. C'est Karine. C'est pas le fun, c'est juste Karine. OK, d'accord. Puis là, Facebook, t'as pas fait chier que ça? Non, pas encore, mais c'est parce que là, quelqu'un va me signaler à cause de ton commentaire. C'est sûr que... Ah, ben oui. En ce moment. Rest in peace, Kasi. C'est l'effet décidéré. L'effet décidéré, voilà. Puis Kasi, je sais que t'es une auditrice régulière, n'est-ce pas? Ben oui, moi, je suis seule samedi matin, fait que je fais ça. Mais vous n'êtes pas nombreux à nous écouter régulièrement, alors... Puis tu voulais venir à Décideret pour... Ben, je voulais venir, oui, mais j'ai été invitée par quelqu'un ici. Tant mieux. Après, c'est ça, puis... Parle dans ton micro. Ah, allô? Oui, bonjour, salut. T'as une petite voix, une belle petite voix. Ben, on est très, très content de t'avoir parmi nous. Merci. On va commencer une nouvelle brève. D'abord, ça, c'est pour toi, Maxime. Les nouvelles pour toi. Nouvelles pour toi, Maxime. Tu es familier avec John Lydon? Le chanteur des Sex Pistols. Oui. Ben, ah oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça passer. Ben, nouvelle très punk rock. 15 000 $. Et John Lydon a dépensé, dans les deux dernières années, 15 000 $ en application iPad. Oui. Fait vivre l'économie. Mais j'ai bien aimé sa justification. Est-ce que tu l'as pas loin? Oui, alors, mieux connu sous le nom de Johnny Rotten, bien sûr. I wasted a year the first to know this about 10,000 fucking pounds in the last 2 years on apps on my iPad. I got into the Game of Thrones, Game of War, rail racing, and I just wanted to up the ante, and like an idiot, I didn't check myself. I've been checked now, but there's a kid in me, you know? A bit of my childhood was taken from me, and I'm determined to bring it back. C'était la pire imitation, il parle de dire. Pas en tout comme ça, mais tu sais. C'est toi qui aurais dû le faire, mais c'est ça, j'ai pas pratiqué j'ai avant. J'ai posé t'arrêter. Non, t'as pas, j'étais à mi-chemin. Julien, c'est un train, tu peux pas arrêter ça de même. Tu peux tellement m'arrêter facilement. Sur quoi que ce soit que je fais. Une plaque de glace, puis t'es à terre. À peine, oui, je suis tout le temps à terre, c'est ça. Mais ouais, voilà, donc il a dépensé 15 600 $ dans les deux dernières années parce qu'il a pas eu d'enfance. Alors là, il l'utilise maintenant, son enfance. Moi, je trouve ça bien. C'est un peu un appel au sentiment. Si t'as de l'argent, tu fais bien ce que tu veux. Il fait un Michael Jackson. Moi, je pense que c'est un appel à l'aide. Fais rouler l'économie. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, personnellement. 15 000 $, c'est les choses que je fais. Qu'est-ce que vous feriez avec 15 000 $? Je m'achèterais des apps sur... Moi aussi. On jouerait-tu à Game of Thrones? C'est ça que tout le monde ferait. Non, mais voilà. Il y avait un épisode de South Park. C'était exactement sur ça. Et ça se passait au Canada. Et c'était le Satan canadien qui créait ça, ces applications. Le Satan canadien. Oui. Ben écoute, ça, la part des gens, on dit déjà l'écouter. Mais moi, je vais tout écouter la saison en un coup. À date, cette saison aussi est une des très bonnes saisons des dernières années. Vraiment. La première fois que ça m'abuse. Ouais, je pense que oui. 18. Ouais. Okay. Et la première fois que South Park se permet d'avoir des auto-référents dans des épisodes, supposons le deuxième épisode commence et tout le monde à l'école se souvient encore de ce qui s'est passé la semaine suivante. Ah oui, OK. Et ça déstabilise tout le monde parce qu'ils ne sont pas habitués que... Ouais, exactement. Puis ils se font des propres callbacks à eux, ça rend la chose un peu plus homogène. Puis ils sont un petit peu aussi distanciés de l'actualité, fait que ça fait moins de contraintes puis plus de folie.
Voilà. Okay. Ah, ben mon Dieu. Bon, hey, 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 si vous connaissez hey, pas ça, la maison, comme South ça. Park. C'est la prochaine boîte de DVD. Oui, Mathieu et Niquette. Ils ont des beaux coffrets. Ils ont des beaux coffrets. Je cherche ma quote en arrière des DVD. Donc voilà, sinon, écoute, Mathieu m'a envoyé une histoire de viol de pingouin par des phoques, mais... mais en fait, c'est le vidéo qui est très bon, je vais aller le poster sur la page. OK, bon. C'est, ouais, c'est de plus en plus fréquent. Viol de pingouin par des phoques, une vidéo dérangeante trouble la communauté scientifique. Bon, ouais. Ça s'en vient sur la page. Ben voilà, alors... Culture du viol de pingouin par des phoques. On veut pas, voilà. Le, on veut pas ça drôle, hein, mais il y a rien de drôle là-dedans. Voilà, attends de voir la vidéo, tiens. Non. Culture du phoque. Culture du fuck. Fait que, si on veut pas le savoir, on veut le voir. Allez sur la page Facebook de Décidéret pour voir la vidéo de Pingouin qui viole des fucks ou l'inverse, whatever. On continue. Bon matin, tout le monde. Bon matin. On va continuer avec Maxime. T'es prêt en beau, Maxime? Ben, hey, oui. Hey, Julien, je peux pas croire que tu m'as demandé si j'étais prêt alors que tu sais que j'ai été dans les scouts. Et tu sais ce qu'on dit? Toujours prêt! Et voilà. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de... 50 degrés. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de pénis à l'émission. Puis, ouais, je me suis trouvé... ma chronique est pas officiellement sur les pénis, mais ils viendront. Ah, c'est drôle, j'étais dans ma douche ce matin, puis je pensais à ta chronique de l'homme à deux pénis. Ben écoute, tout le monde... Qu'est-ce que tu faisais dans la douche, mais... Oui, je me lavais, puis là, j'en regardais, puis je me disais, ça doit être bizarre, quand même. Oui, tu sais. J'avoue, il y a pas super longtemps, je pissais, puis je pensais à ça. Je pourrais la refaire, un moment donné. Ouais, refais-la donc. Ouais, refais la chronique. Mais sinon, écoutez, je suis tombé sur cet article-là ce matin, hier, en fait, un peu sous. Puis en fait, c'est 6 exemples de pratiques médicales qui n'ont aucun bon sens qu'on a vu à travers l'histoire. Uh-huh. Et évidemment, on va en venir éventuellement à parler de pénis. Mais j'espère bien que tu le pénis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque pratique, je leur ai trouvé un petit surnom de mon cru. De mon cru, oui. Oui, okay. Alors le premier s'appelle « J'ai un petit creux dans la tête ». Okay. En gros, c'est quand quelqu'un avait trop de pression dans la tête ou en tout cas des migraines, ben souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on y perçait un petit trou dans la tête, un peu comme dans Décadence 3. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui, c'était le fun. Il se fait faire ça. Ouais, c'était quand même une scène amusante. Oui, ouais, absolument. Puis le problème, c'est qu'à l'époque où on faisait souvent ça, ben la propreté étant ce qu'elle était et les outils étant ce qu'ils étaient, ben c'est souvent les personnes ressortaient avec un crâne plus fracassé. Puis il y avait de l'infection qui pognait là-dedans, fait que les gens finissaient par mourir. Jigsaw, il meurt dans Décadence 3. Ouais, je sais pas. Il y en a 7. Ouais. Ouais, ben, c'est bon. Continue. Ensuite de ça, là, ça c'était mon moins le fun. Okay. L'autre, je l'ai surnommé Suck My Cannibals. Okay. Ça, c'est qu'à l'époque, je sais même pas c'est laquelle, certains docteurs, pour guérir à les peu près... Les années 80. Ça fait un bail, les années 80. Il y a des docteurs que, pour guérir à peu près n'importe quoi, ils conseillaient des pilules. Mais c'était des pilules spéciales vu qu'elles étaient faites de dépouilles humaines. C'est comme des faits de chair et de sang humain. Mm-hmm. Les gens prenaient ça et là, c'est qu'avec le temps, l'espèce de mentalité que ça pouvait guérir de tous tes problèmes, ben les gens allaient assister aux exécutions publiques dans l'espoir de pouvoir mettre la main sur un petit morceau de chair. Non, mais attends, tu sais que les gens font encore ça aujourd'hui, mais avec du caca. C'est vrai, c'est quoi? Bon, développe j'ai le sujet de ma chronique pour la semaine prochaine. Wow. Ah, okay. Non, mais là, attends, les pilules de caca. Les pilules de caca? Ouais. Comment des rebuts peuvent être bénéfiques pour la santé? Vous la Nicolas, le philosophe. Je crois que Nicolas est cannibale, d'ailleurs. Je suis pas con. Les cacanibales. Les caca. Monsieur cacanibale. Ensuite de ça, le troisième que j'ai appelé Lave-m'en fou, moi. Pas pire, celle-là. Ouais, c'est très bon, très bon, très bon. Écoutez, c'est à l'époque, là, on parle de l'époque de la Renaissance. Médiéval, en fait. Il y avait un outil qu'on appelait la clistère. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous connaissez la clistère. Okay, en gros, c'est une espèce de gros réservoir en métal dans lequel on met, mettons, de l'eau chaude. Puis ça, on insère ça, mais c'est vraiment gros, là. C'est très... On dirait, pour vrai, là, moi, à chaque fois que je vois une image de ça, j'ai l'impression que c'est un sketch des Picbois, puis que ouais, c'est ouais, un objet d'une grosseur démesurée que tu vas te faire rentrer. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est ça, le monde, tu faisais rentrer ça dans le péteux, dans l'anus. Autre temps, autre mœurs. Ben, c'est ça. C'est une immense seringue en métal ouais, c'est qui shoot de l'eau. Puis le but, c'était de débloquer ce qu'il y
avait à débloquer, bon, si ça avait lieu. C'était pour les lavements de l'époque. Ouais, voilà. Ouais. C'est le lavement de l'époque. Le problème, c'est que si aujourd'hui on utilise de l'eau, mettons, ben à l'époque, ils utilisaient de la bile de cochon. Oh. Ah, ça doit être long à remplir le gros réservoir. Ouais, ça doit être assez long. Et, fait intéressant, on dit que le roi Louis XIV en aurait eu plus de 2000 alors qu'il était sur le trône. Plus de 2000. Ben là, il s'est pas fait mettre. Il était pas sur le trône. Il était en position royale. Ouais. Ben, en fait, il l'a toujours été parce qu'il est né. Il est né en position royale. Ah, voilà. On se rappelle, on se rappelle. Prochaine, ça, je l'ai surnommé celle-là tout simplement le zizi électrique. En gros, c'est pour les personnes qui souffrent d'impuissance, un petit peu comme Nicolas, j'imagine. Ben oui. C'est que si on veut redonner la puissance au pénis, on s'est dit pourquoi pas y mettre de l'électricité. Ben c'est sûr, ça va marcher. La petite anguille. Ouais, c'est ça. Fait que les gens se faisaient mettre des électrochocs, genre 250 volts sur les bases. Et là, la question qu'on se demande, c'est est-ce que ça fonctionne? Et la réponse est non. C'est bizarre. Mais c'est pas une méthode de torture russe, ça? Ouais, ça se fait. Moi, au secondaire, il y avait quelqu'un qui était revenu d'Afrique, mais je me souviens plus de quel pays exactement, puis il avait été torturé, puis c'était une des moyens de torture. Au secondaire. Ouais, il était venu faire. C'était torturé. C'est un monsieur qui était venu, puis il y avait quelqu'un qui avait. Jeunes adolescents qui posaient des questions. Je me souviens plus c'était quoi la question, mais tu sais, les questions stupides et insultantes d'un jeune ado qui essaye de niaiser quelqu'un, mais tu fais fuck le dude, là, il était torturé en Afrique. Ok, je pensais que c'était un ami de secondaire. Non. C'est un gars qui venait de faire une conférence là-dessus. Lui avait vécu de la torture. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos vacances de Noël? Je me suis fait faire le zizi électrique. Non, c'est ça. C'était le gars, il avait conté son histoire. Puis le jeune, il revenait tout le temps. Il posait tout le temps la même question à savoir si ça l'avait rendu impuissant. Tu sais. Mais lui, il essayait d'expliquer que c'était pas une de ses priorités dans la vie. De donc, dans le fond, ça veut dire oui. Ça veut dire oui. C'est ça qu'on a compris. On l'invitera. Ensuite. L'autre, c'est... ouais, ça, je suis content de mon nom, là. mais je sais pas, faut que je le dise comme faut, sinon le gag sera pas drôle. C'est hémorroïde du puits. Ouais. Hémorroïde du puits. En anglais, ça aurait été mieux. Hémorroïde du puits. Les rivières. En gros, ça correspond... c'est quand t'as des hémorroïdes, c'est de chauffer un bout de fer ou des roches, les faire chauffer... très, très chaud, là, puis de s'insérer ça dans l'anus. OK. On dit que c'était pas tellement efficace. Que ça, sans blague. Ça causait plus de dommages que l'hémorroïde. Mais au moins, j'imagine que l'hémorroïde disparaissait, mais que t'avais plus d'anus. Ouais, c'est ça. Imagine une vie pas d'anus. Ben oui. Ben, en fait, le fils de la sœur de ma blonde n'a pas d'anus. Il y a une stomie. Il y a un petit sac, puis tout, mais il va se faire opérer. Il peut pas vivre. Mais en tout cas, continue. Oui. Et au passage, on va en profiter pour saluer Saint Fiacre, qui est le saint protecteur des hémorroïdes. Okay. Ah. Ah. Protège les hémorroïdes. Non, dans le sens qu'il te protège des hémorroïdes. Ok. Tu peux le prier. Saint Fiacre. Parce que j'en ai déjà eu une, puis je peux te dire que c'est une sainte douleur. Nicolas, tu as eu des hémorroïdes. Oui, j'en ai déjà eu. Je ne savais pas que c'était ça, en fait. Ok. Je pensais que j'avais juste mal. Puis... Ouais, ben j'ai. Je continuais mon train, puis ça revenait, puis la manée. Ah, mais ben j'ai c'est... eu ça aussi, puis ça faisait comme une petite bosse, tu sais, je veux pas. Puis là, je l'ai fait toucher par ma blonde pour être sûr que c'était. Ah! Ah! Non, ben, moi, j'ai fait toucher par mon coloc. Non, ben j'avais. Ben je voulais juste pas. J'avais peur, puis je voulais être sûr que c'était correct. Oh, on en appelle. C'était ta blonde? Elle a interpellé quelqu'un. C'est pas ça, en plus, on est sur le chicane. Fait que, mais mon ex, quand elle déciderait. Hi, it's me, Grégory, le Frenchman. C'est sa dernière chance. Il lâchera pas. Hein. Il devrait appeler au paumé. Jamais deux. Ouais, appelle-le en 5 heures sans frontière, Grégory. Oui. How are you today, you? Si, moi. Ça va bien. Yeah. Hey, you know what? I'm not just a Frenchman. I am, et tu? A serial killer! Oh no! I am Itou! Est-ce qu'on devrait avoir peur? Oh, very, very afraid because I'm a killer machine, you know? J'aime la twist que tu es serial killer. Moi, ça a ravivé mon intérêt. Ouais, non, c'est vrai. Est-ce que tu es associé au Master par hasard? Non. À what? C'est vrai. Connaissez-vous le Master?
et le Destroyer. Oh no, I don't know the Master because I'm so busy to kill people. You know what? I kill people to take ketchup and a French fries. Ooh. Tu veux du monde pour le ketchup? C'est quoi votre méthode? Yeah. Pas très cher, du ketchup, monsieur. Je sais pas si vous, il n'y a pas de quoi tuer quelqu'un. Ça vaut pas un meurtre. No, non, because c'est une insulte à la cuisine française. Ah, 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 ketchup. Ok, ah, ok, Grégory. Voilà, je comprends. Ce serait pas plus simple, mettons, d'aller saboter chez Heinz direct? No, because Grégory is a Finn Bush. Okay, okay. Bon, ben, okay, kill people. Oui. J'enlève les têtes et oui, je bouffe le cerveau. Ok. C'est que ben, la misère à maintenir le personnage. Non, mais oui. Oui. Non, mais oui, Grégory. Tu l'as vu quand tu parlais juste de baguettes et de beurre. C'est la première fois que tu parles. Tu manges le cerveau des gens. Ben, merci beaucoup, Grégory. No problem. And if you went to France, la France, don't worry, be happy, don't touch to ketchup. on va s'en rappeler. Ok, merci Grégory. Bon. Okay, bah, c'est abarmant. C'était-tu la troisième prise ou pas? Je pense que c'est une fausse balle. je pense qu'il peut rester acheter du temps. C'est apprécié. C'est un tueur en série finalement. Tout ce temps-là. C'est ta première fois, c'est vraiment, Comment t'as trouvé Grégory? Ben, charmant, mais un petit peu... Un peu déstabilisant. Oui, déstabilisant un petit peu, mais c'est correct. Ben, c'est un French guy. Ben non, oui, c'est ça. Mais l'affaire du ketchup... Oui, mais en tout cas... Ça vaut pas la peine. L'affaire du ketchup. Maxime, on t'a interrompu. Ben, il m'en reste un en plus. Vas-y, mon ami. C'est pas le dernier. Essaye le dernier, oui. C'est pas le dernier. C'est pas le moindre. Voilà. Je l'ai intitulé, celui-là. Comment ça va, Jean? Comment ça va, Jean? En gros, c'est pour les problèmes, tous les problèmes reliés avec l'utérus. Il faut comprendre que chez les Grecs anciens, les Grecs contemporains. Les Grecs d'aujourd'hui, je veux pas j'ai rien contre eux autres. Non, on les juge pas. OK, il y avait une pensée selon laquelle l'utérus avait un esprit bien distinct, bien à lui, et que, dans le fond, si la femme tombait pas enceinte, ben l'utérus pouvait se fâcher, se rebeller et quitter le corps. Wow! Ouais, c'est connu, ça. Ouais, c'est pour ça qu'il disait aux femmes de rester silencieuses aussi, pour pas qu'on entende leur utérus crier. C'est parce qu'ils gossent, les gens. Voilà. Et parlant de Grec antique, il y avait une belle punition pour l'adultère en Grèce antique, la connaissez-vous? Vous? Non. Il brûlait tous les poils pubiens et puis ils enfonçaient un radis jusqu'à la feuille. Ah! Jusqu'à la feuille! Enfoncez-moi ce radis jusqu'à la feuille! Ça n'a pas tant l'air d'une punition. Non? Ben, ouais, pour rappeler la forme d'un radis. Là. Ouais. On parle beaucoup de radis à l'émission. Ouais, c'est le radis populaire, non, mais radis dans le trou de cul, tu sais. Oui, il enfonçait. Tu sais, le radis, c'est petit, un radis. C'est pas une forme. Oui, mais c'est petit, un radis. C'est petit, puis ça a une forme... Je me trompe de légumes, là, peut-être. Ben, je veux dire, entre un concombre et un radis, je prendrais un radis. Peut-être un rutabaga. Un betterave, peut-être. Un melon d'eau. Ben, tu confonds un radis et une betterave. Non, mais c'est quoi celui-là qui a une grosse forme comme ça? C'est tout petit, un radis. Un navet? Un radis, c'est gros de même. Un navet. Excuse-moi, Nicolas, on a un appel. Tape navet dans le cul. Sur l'ordinateur de choc. Décidérez. Hey, hello guys, it's me, the Destroyer. Ah, salut, Destroyer. J'ai pas fini mon comment ça va. I just wanted to disassociate ourselves with Grégory the French guy because he seems a lot deranged. Ouais, ben, vous êtes quand même deux personnages similaires qui sont tueurs en série dans les deux. Ouais, ouais, là, c'est ça, faudrait peut-être. Oh, I'm not a serial killer. I'm not a bad person, you know. Hey, and by the way, Nicolas, how is your anus? ça va très bien, merci. C'est bien anal aujourd'hui. Quand... OK, cool, hey. Have a good day, guys. See you soon. Merci beaucoup, Destroyer. Bye, Destroyer. See you soon. See you soon. Donc, on avait peur que l'utérus quitte le corps. Ce qui fait que, pour éviter que l'utérus quitte le corps de la femme, on y mettait une mixture, une potion très, très malodorante à l'intérieur des cuisses. Comme ça, l'utérus, s'il venait à sortir, il faisait comme « Oh non, oh non, ça pue trop ». Eh ben. Et là, la question que j'avais pour terminer, des six pratiques médicales, laquelle choisiriez-vous si vous en aviez une à subir? Ouais, la dernière, là. Le truc malodorant, c'est les cuisses, moi je prendrais ça. Ah, ouais. Moi, ce serait le radis dans l'anus. Décidérez. Encore. Voyons. On n'a pas compris, là. Veux-tu répéter?
Hi, it's me, John, the English guy. John, the English guy. Ah, OK, bon, oui, oui, John. Comment, quand allez-vous? Hey, you know what? I think Grégory, the Frenchman, talk like me. Un peu, hein? Ben oui, c'est talk like me. On n'avait jamais fait le lien, mais ouais. C'est vrai que vous êtes similaires. Hey, hein? Pourtant, il y a un qui est anglophone puis l'autre francophone. Yes, it's what? Strange, and my I'm very afraid because I ate a lot of ketchup. Oh là là. Bon ben. Parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui va tuer l'autre, ça va faire ça de fait. Ben John, il est venu avant. John, tu peux tuer Grégory, ça pourrait être. Ouais, en autodéfense là. Oh oui. I'm not bad to people, you know. I'm just a great cook. Oui, avec du ketchup. OK, ben merci beaucoup, John. OK, no problem. OK, take care. Bye. OK, bye. Hey, you know what? No. Wizou, 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 John. Ben ouais. Bonjour, Chris. Lots of love. Lots of love. OK, voilà. OK, ben, c'est... ben merci. Ça, tabarnak, t'as pas, t'avances pas, là. Ben, hey, j'ai fini. On t'a 25 minutes, il y a une chronique de fête. J'ai fini. Oui. Ouais, tous les appels sont faits, par contre. Ben, les appels, ouais, c'est ça. Débarrassé. Tous les personnages. Ben, merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Excuse-moi, t'as été interrompu quelques fois, mais... Ouais, ça me dérange pas. Ben, c'est ça, des réseaux. J'aurais pris le zizi électrique. T'aurais pris le zizi électrique? Non, peut-être pas le zizi électrique. Ouais, peut-être pas, hein? Ça change une vie. Non, peut-être pas. Ouais, ouais. Ben, le lavement, si c'était pas de la bile de cochon. Ouais, de la bile de cochon. Ouais, lavement, je sais ça, c'est positif. J'aurais peut-être pris Suck My Cannibals. Ouais, peut-être. On verra. Voilà. J'aurais voulu mettre l'indicatif de Louis XIV, mais j'arrive pas à le trouver. Alors, on va l'imaginer. Et on va continuer avec Magic Mirror de King Tut à DCDM. Salut, c'est Will Smith et chaque semaine j'écoute Décidérer.
Ah, j'en reviens pas que Will Smith nous a envoyé ça. C'est fou. C'est incroyable, pareil. Chaque semaine. Écoute, non, mais il a un grand cœur, ça. Il est occupé, pourtant. Puis, écoute, ben oui, ben, il est en scientologie, mais il veut pas l'avouer. Alors, on va... où ton thème? OK, voilà. Non, c'est l'invité, là. Yeah, bah, boy. Non, ah, non, j'ai pas ramassé le thème invité. Puis, comment ça va? comment ça va, tout le monde? Ah, ça va toujours bien. OK, cool, cool. Voilà, Dessy et des rêves. On va y arriver. Il faut rendre la plaque meilleure réalisation. Ouais, voilà. Mystérieux. Alors, et on y est. On y est. T'es l'invité. Il y a un petit blanc au début. Ouais. Ça, c'est agréable, hein, ce petit blanc-là. Ouais. Ça me gosse pas du tout. Mais vu que je le sais, je devrais comme en tenir compte. Jean-Leloup nous a envoyé ça. Alors, écoute, quasi. Bonjour, quasi, bonjour. Comment, je suis content d'avoir le thème de l'invité. Mais est-ce que tu es l'invité cette semaine? Oui, tu l'es. Mais c'est ça, c'est parce que... Techniquement, c'est Étienne qui m'a invité, puis là, il est allé dire « Karine veut venir ». Ben, j'ai dit « Karine », c'est Kasi plutôt. Ouais, oui. Kasi veut aller à l'émission, mais il a comme déformulé, fait que là, j'ai l'air à m'imposer, mais c'est pas ça. Mais non, non, c'est pas le cas. Mais par contre, c'est comme ça que ça marche. Hein. Plus. On a un appel, excuse-moi, Kasi, hein, d'essayer des rêves. Oui, ceci est à communiquer, t'es promis. On a entendu parler de nous avant l'intervention de Grégory sur le ketchup. Bon, ketchup. Alors, ça nous a donné envie de revenir la session prochaine pour vous défoncer au gala de choc. Les colonnes, les tabarnaks de paumés. Ah, de... sont sales. Oh, on vous annonce le grand retour des paumés. Sortez le tapis rouge parce qu'on est prêt de gagner, là. Ben non, ben là, on va se battre cette année, vous allez voir. Avec vos histoires d'utérus fâché et d'hémorroïdes. Et on compte de plus sur le vote ethnique pour gagner. Et on voulait surtout remercier nos électeurs. Ben, on semble avoir les French guys de notre bar, en fait. ça veut dire que vous écoutez l'émission. On s'est dit qu'on allait écouter ce matin. Parce que nous, c'est là qu'on gagne, parce que nous, on vous écoute jamais. Non, j'ai jamais écouté. Là. Oui. Les pauvres, je sais pas si ça joue cap, qu'est-ce que vous parlez, là. C'est juste qu'on vous aime pas. Je comprends rien quand tu parles. Ouais. Ben, sûrement pas d'hémorroïdes, en tout cas. Non, c'est ça. C'est comme ça que vous avez des prix. Ben, nous autres, parce qu'on parle de ce que les gens veulent entendre. T'sais, vous parlez pour que vous écoutiez parler, là, mais nous, on parle pour le peuple. Le peuple a les hémorroïdes. Ben, on dirait pas. Les losers, quoi. On dirait pas. On a été coup de cœur du public, donc je pense que c'est nous qui avons gagné par. Ah, mais choc, c'est mené par des Français, là. C'est en passant, c'est hémorroïdes du puits. Il faut le dire comme il faut. Là. Mais en tout cas, merci les paumés, puis on va vous défoncer la gueule cette année. Vous allez voir. OK, vive la colonisation française! Bon, c'est ça, c'est tabarnak. OK, sinon je l'accroche. Beaucoup de Français qui appellent cette semaine. Oui, hein. Ils incarnent le mal. Je sais pas. On les laisse rentrer, nous autres, à pleine porte. Alors, ben voilà. Alors, Kasi. Oui, bonjour. Écoute, toi, tu as un blog qui s'appelle Robot Sucré, c'est exact? Oui, c'est un blog, c'est ça. Robot Sucré parce que tu es une femme. Parce que je suis une femme. D'où le sucré. Et robot parce que tu apprécies la culture geek, c'est exact? C'est exactement ça. Je vois que tu as écouté mes capsules. J'ai vu celle-là où tu as dit ça, en tout cas. Ah, ben, c'est exactement ça que j'ai dit. Tout dedans, c'est parfait. Voilà. Puis c'est bien bon ce que tu fais, là. Ben, merci beaucoup. Ouais. Merci. Voilà, ça, tu fais des vidéos dans lesquelles tu donnes ton opinion sur des affaires. Sur des affaires, ouais, c'est ça, je parle. Mais il y a une vidéo en ce moment, un de tes grands hits, c'est ton petit truc, ce que tu fais avec tes lèvres. Oui, ça, oui. Ouais, ça des choses bizarres avec tes lèvres. Oups. Ben, avec mes. Oui, dans ma face, là. Oui. Ouais, non, je pensais pas que ça allait être un hit. Mais, grossir tes lèvres. Ben, la petite histoire derrière ça, c'est que j'ai trouvé un produit, je pense que c'est japonais. OK. Eux autres, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme une genre, c'est comme après un penis pump pour les lèvres, dans le fond, pour avoir des lèvres plus plump, pour avoir des lèvres plus épaisses, plus charnues. Ouais. Donc, dans le fond, c'est ils ont inventé ça. Donc, je me suis dit, ben dans le fond, c'est le principe de suction. Il faut juste que je trouve quelque chose qui va sucer mes lèvres. Qui n'a jamais pensé à une clistère? J'ai pensé à ça. Je me suis dit, bon, je vais pas acheter un produit qui coûte 70$ plus 39$ de shipping quand même. Donc, j'ai commencé avec une bouteille d'eau Esca. Puis bon, j'ai quand même des grosses babines, donc trop c'était petit, un petit peu trop petit. C'est ça, fait que je suis allé m'acheter une bouteille Gatorade, on la voit ici, c'est la bonne grosseur, tu vois la première photo C'est ça, ben oui, non, c'est l'objet du crime, et puis bon, ben je me suis mis la bouche là-dedans. C'est une bonne taille pour les babines. Exactement ça, puis après, je pense 5 minutes, c'est ma vraie réaction dans la vidéo, là, je suis vraiment, j'avais des grosses babines, puis ça faisait mal. Ah oui. Puis je me suis bavé dessus, puis je l'ai filmé, évidemment. Évidemment. Puis j'allais pas le mettre sur Internet au début. J'allais juste l'envoyer à mes amis, puis dire ha, regarde qu'est-ce que j'ai fait. Ou qu'eux-mêmes se bavent dessus. C'est un samedi soir en plus, là, c'est pas winner mon affaire. Ouais. Puis non, finalement, ça a été un vrai hit dans ma vie sur les médias sociaux, en tout cas. Ah bon, d'accord, j'allais voir ça. Mais Mathieu va le mettre sur la page de DCDR. Oh boy. Est-ce que tu penses que ça pourrait fonctionner avec, exemple,
un pen ou... par exemple. C'est le même principe que les dick pumps. Ben ouais, okay, ouais. Ou avec des fesses, je veux un gros cul. Si tu veux un gros cul, ouais. Je sais pas. Des très longs, des très, très gros mamelons. Ah, ça serait hot, ça. Je me sens des gros mamelons. C'est parce qu'il faut enlever l'air de la bouteille en tant que tel. Fait que c'est de sucer l'air qui est un petit peu difficile avec les mamelons. Okay, mais je vais l'essayer. Oh, ben ça, ouais, non, ça... Mets pas ça sur les réseaux sociaux. Je peux mettre ça juste sur la page de l'histoire. Ouais, juste pour nous, une exclusivité, les gros mamelons de Casi. Hein. Ouais. Voilà. Ça, c'est l'épisode que mes parents vont écouter en plus. Hein. C'est parfait. Ben, c'est sûr, évidemment. Allez, salut. Ils vont écouter ça? Allô, Ghislaine? Ben, je sais pas. Salut, Ghislaine. Ouais, et tu nous disais que tu avais une petite chronique à propos d'une page de fan de Éric Lapointe, c'est oui, exact? Oui, ben, c'est pas une page de fan. C'est ça qui est intéressant avec cette fameuse page-là. C'est que c'est un groupe. Les fameux groupes sur Facebook sont un petit peu moins populaires. Là. C'est moins répandu. C'est plus privé. C'est plus une communauté. Mais il y a une. Ça s'appelle quand même une fan page, mais c'est un groupe privé. Il faut demander un membership. C'est quand même exclusif. Oh. Oh. Oui, moi, j'ai été approuvée, finalement. Mais c'était Étienne, dans le fond, qui était le premier membre, je veux dire, des trolls. Mais je pense qu'on est devenu pas mal sérieux. Mais alors, on n'ira pas là. Non, c'est ça, on n'ira pas là. Mais ça s'appelle Éric Lapointe, le roi de musique fan page. Alors, c'est le roi de musique. C'est pas le roi de la musique. Mathieu, mets ça sur la page Facebook des séries. Oui. Laisse-moi 2 secondes. Je suis en train de travailler. Je vais pas dire à l'instant, là, ultimement. Mets ça dans ta liste. Oui. C'est vraiment une page fantastique. Et puis, quand même, 6475 abonnés. C'est beaucoup plus que décider. C'est plus que décider, c'est plus... Puis c'est exclusif, en plus, il faut faire une demande. Oui, c'est ça. Faut être approuvé. Pour le roi de musique. Faut être approuvé. C'est quoi les critères? Ben, les critères, faut que tu sois un rocker. OK, faut que tu sois un rocker, oui. Faut que tu sois un rocker. Puis il y a 2 administrateurs, Glenn et Chaud. Moi, j'ai interprété Éric Lapointe. C'est suffisant. Ça marcherait. Puis j'ai remarqué que c'est une communauté très invitante, très gentille. Tant mieux. Faut que tu participes. 6475 abonnés sans publicité, c'est quand même assez fort. Je travaille en gestion de communauté. Ouais. Donc, je sais que c'est difficile d'avoir autant de fans que ça. Et puis, ce qui est intéressant avec cette page-là, c'est que c'est des très, très grands fans, très passionnés, qui ont absolument besoin d'avoir du Éric tous les jours de leur vie. Ouais. J'ai remarqué pour la première fois hier soir la description de la page. Je l'avais jamais remarqué avant, mais je pense pas que c'est un francophone qui l'a écrit. OK. Donc, il y a des fans anglophones d'Éric Lapointe assez... Ben, le rock, c'est parce qu'ils comprennent pas ce qu'il dit. Non, c'est ça. Mais avant de lire ça, dans le fond, je voulais voir la petite biographie d'Éric Lapointe un petit peu. Puis, j'ai trouvé une page Wikipédia anglophone qui parlait de lui, donc... qui décrit son style musical comme... du mauvais Johnny Hallyday. C'est du heavy metal avec des soupçons de punk, grunge, pop et hard rock. Ah oui. C'est comme une insulte à tous les genres. C'est ça, même au pop. Là, ça fait mal. On peut dire que cette personne n'a jamais écouté d'Éric Lapointe. Ouais, non, c'est ça. Je gardais pochette. C'est quand même l'artiste musical masculin qui a comme les meilleures ventes au Québec de toute l'histoire. Ah, il a vendu 1 million d'albums. Ouais, non, c'est ça. C'est quand même impressionnant, mais bon. François Pérusse aussi. Mais j'attends juste qu'on atteigne 1 million d'abonnés sur la page. Ça s'en vient. Éric Lapointe, le roi de musique fan page. Oui. Voilà, avec l'effet d'essayer des rêves. Oui, il va y avoir une vague de demandes ce matin. Il va y avoir une vague de demandes. Ça va être difficile pour Show Sony d'approuver tout le monde. D'ailleurs, je vais parler de Show Sony, qui est une des administratrices de la page, qui est très active, qui tous les jours publie les meilleurs moments de la page. Mais des fois, il n'y a rien qui s'est passé pendant la journée. Donc, elle fait des reposts. Puis, attends, les meilleurs moments. Donc, les gens postent sur la page, puis elle va reposter ça. Reposter. Ça, c'était bien. Tous les jours. Tous les jours, mais souvent, il n'y a rien qui s'est passé pendant la journée. Donc, c'est la même chose qu'elle va publier tous les jours. Mais c'est fou. Dans le sens, c'est une passion qui ne s'arrête jamais. Ah non, c'est ça. C'est tous les jours. Nous autres, on se fait à souper et elle a fait ça. Là. C'est comme si sa tâche de la journée, elle fait absolument ça. Puis, je me suis dit, bon, je veux faire partie de ces meilleurs moments d'une journée. Donc, je vais faire des montages. Oui. Et puis, ben, je ne suis pas juste gestionnaire des communautés, je suis aussi graphiste. Ah oui? Donc, t'as-tu fait ton logo? Il est assez beau. Mon logo, je ne sais pas. Le Robuscrit? Ouais, c'est pas bien copié. Okay, j'ai écrit Robuscrit sur un fond de bonbon. Ben, pour moi, c'est déjà beaucoup. Ben, merci. Bon, je vais te faire un logo, si tu veux. Ah, j'aimerais ça. Mais là, mes talents, par exemple, sont vraiment dédiés à Éric Lapointe. Puis je m'inspire un petit peu, dans le fond, des paroles de ses chansons. Donc, je pense qu'on va en mettre sur la page de Décideret une exclusivité parce que d'habitude, c'est vraiment juste pour les fans d'Éric Lapointe sur la page. C'est pas visible si t'es pas dans le groupe. C'est privilégié. Tu vas pas te faire bannir si tu fais ça? Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils écoutent la radio. De toute façon, je suis tellement un membre, je suis une membre tellement active, puis je pense que je contribue à la communauté que. Clairement. Il y aurait peut-être un petit manque si je partais. Ça serait pas ce qu'on veut. Actif aussi, vraiment, qui.
bon, qui me donne toujours son petit like. Là, quand je chaque fais montage, moi, je mets un like. Je fais ma part. Je suis sûr que t'es comme une espionne du KGB. Tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai infiltré vraiment. Là. Tu vas peut-être déclencher une espèce de... Parce que si ça sait que t'es pas... Ben, sans vouloir dire que t'es pas une vraie, mais peut-être qu'il va y avoir une espèce de chasse aux sorcières. Attention, là, la chasse aux sorcières. Non, 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 je suis une vraie. Je suis devenue une vraie, surtout depuis... Ouais, tu es devenue, OK. Ouais, c'est non, ça. C'est ça. Ouais. Mon premier montage, c'était mon ange. J'ai trouvé une photo d'Éric Lapointe qui était déjà publiée sur la page. Je me suis dit, bon, étant graphiste, j'aime pas vraiment ça prendre des photos qui ont déjà des droits d'auteur, nanana, mais je me suis dit, bon, c'est pas vraiment grave sur cette page. C'est du fan art. C'est du fan art, c'est de la parodie, c'est du gentil, c'est du fan art, j'ai le droit. Je vais acheter des ailes d'ange. Okay. Voir qu'est-ce que ça va faire. Je pense que c'est, bon, c'est tellement simple. Ben oui, mon ange, parfait. Qui a pensé à ça? Qui? C'est vraiment, qui aurait fait le lien? Ouais. Et j'ai décidé de le faire. Okay. Je l'ai publié. Puis là, quand il va être mort, on va pouvoir partager ça aussi, parce qu'il va être devenu un ange. Puis j'ai écrit avec une typo style, peut-être script un petit peu, vraiment, qui est bon, qui est sur Windows depuis 1993. J'ai écrit mon ange avec trois petits points, je pense. Mon ange, mais c'est comme si on avec les trois petits points en plus. Ouais, les trois petits points, ça laisse comme un petit, c'est comme une petite poésie. Mon mélancolie à suivre. Ça, ça a beaucoup plu. D'ailleurs, les gens peuvent le voir en temps réel là, sur la page. C'est là. Ça, avec son regard tellement perçant, c'est fascinant. Oui. J'étais vraiment fière de ça, puis découper les ailes, tout ça, ça m'a pris quand même un bon 5 minutes. Ah, quand même. Est-ce que tu as eu beaucoup de likes? Un samedi soir, je présume. Ben, c'est ça, je vais entrer dans les likes. Ça a pris, j'ai eu 73 likes quand même, puis la photo est revenue très souvent. Est-ce que c'est ça qui a établi ta crédibilité auprès de ces gens-là? Ah oui, sans aucun doute. Ouais. Avec une typo vraiment moche comme ça, en plus, ça fait un petit peu mal en tant que graphiste, mais ça fait autant du bien. Je vais lire quelques commentaires, dont Étienne, qui était le premier. Je pense qu'à la seconde près, il a écrit « Je suis au paradis ». Il y aurait eu 5 likes. 5 likes. 5 likes. C'est bon pour un commentaire. Des vrais likes. Là. Ouais, ouais. On est juste peut-être 3-4 dans la clique. C'est pas des likes de tes amis, tu sais. Non, c'est des vrais likes. Des vrais likes. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est pas un like de pitié, c'est un like. Genre, j'aime vraiment ce que t'as écrit. Chaque like en vaut 3. Ben, tu peux te rajouter un like sur tous tes montages parce que Jeff Perrault vient de liker tous tes montages. Ça, c'est bon. Salut, Jeff. Mets-le dans ta banque. Merci. Ben là, des vrais commentaires, par exemple, qui sont pas Étienne. Il y a « J'adore, j'aimerais me faire protéger par cet ange ». Après, il y a Est-ce que commentaire. C'est Saint-Fiacre? Est-ce que tu penses qu'il connaît Saint-Fiacre? L'ange des hémorroïdes. L'ange des hémorroïdes, c'est Éric Lapointe. Oui, c'est mal. Il y a des gens qui pensent qu'ils s'adressent directement à Éric Lapointe. Ça, c'est bizarre. Mes gens préférés. Il parle à Éric Lapointe direct sur la page, comme si c'était lui qui était en arrière de ça. Ben c'est ça, mais c'est lui clairement qui s'est photoshopé des anges. Ah oui, il n'y a rien de mieux à écrire ça que faire ça. Il passe le week-end depuis qu'il ne boit plus, ça a l'air qu'il fait beaucoup de Photoshop. On l'a croisé puis il boit encore. D'ailleurs, sur sa page Facebook personnelle, il like le Festival de la bière. Ah bon. Je peux juste confirmer que... Il a dû liker le Festival de l'eau. Ah, mais moi, mon professeur de bar, c'est quelqu'un qui ne buvait pas, mais qui donnait le cours de mixologie. Il goûtait, fait mais il buvait pas. Ouais. Ah, ça se peut, donc. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Alors, c'est possible. Ben oui. Alors, c'est possible. C'est possible de boire de l'alcool sans se saouler. Sylvie Girard qui écrit « Wow, que t'es beau. En plus, j'adore les anges et ta chanson vraiment belle. Câlin, avec un petit thumbs up. » OK, elle parle à Eric. À travers toi. Ouais. Super de belles photos de mon chanteur que j'aime. Il y a beaucoup de... On l'aime beaucoup. C'est à nous, Eric. C'est notre Eric à nous. Cette photo est splendide. Okay. Splendid. Avec un petit émoticône, genre d'un ange. Ça j'ai trouvé vraiment une belle touch. Tout comme cette photo. Très beau montage de notre rocker. C'est notre rocker. Il nous appartient. C'est Éric Lapointe. Il est à nous. J'ai fait un deuxième montage qui était Éric Lapointe devant des flammes, des grosses flammes. Ah, c'est rock, ça, oui. Parce que oui, il y a le Éric angélique, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est quand même un rock. Fait que j'ai mis les paroles « J'aurais mis le feu à l'enfer », évidemment. Là, on peut le voir sur la page des Décidérés. Ça, c'est... En plus, j'ai, tu sais, avec la chemise déboutonnée, j'ai pris une photo, un still de « Brume de ta bouche ». J'ai longtemps cru qu'il disait « J'ai mis le feu à l'envers ». Je mettrais le feu à l'envers. Moi aussi. C'est vrai? Puis je trouvais que ça aurait été beau, l'image plus belle, en fait. Ben non, mais non. Mettre le feu à l'enfer. Ben, essaye de mettre le feu à l'envers. Essaye de mettre le feu à l'enfer, c'est déjà tout en feu. Ouais, mais... Je trouvais ça plus intéressant comme image. De glacer le pôle Nord. Puis ça a reçu 82 likes, cette photo-là. Oh, 82 likes. On n'était pas encore à 6 000 abonnés, en plus, à ce temps-là. Je pense qu'il y a eu comme un gros boost. Et puis les commentaires, des gros « wow, wow » en caplocks. Ah, yeah. « Wow, super beau montage. Trop
hot. Ça, j'ai trouvé ça. Trop fort, fin fond d'esprit, ça, c'est bon. Je sais pas si t'as voulu. Toujours aussi beau, mon Éric Lapointe. Hein. On est vraiment dans le... Ouais. Trop à l'envers. Super beau montage. Merci à vous tous. Oui. Merci. On me remercie du montage. Merci à vous tous. Oui, c'est ça. Toute l'équipe. On est 25 là-dessus. Puis, je dois avouer aussi qu'il y a beaucoup de Sylvie sur la page. C'est surtout des Sylvie qui répondent. Il y a des Kevin aussi. Non. Il y a plus de femmes, je pense. Non, c'est beaucoup plus de femmes qui font des avances, des fois, un petit peu intéressantes. Okay. Je te soucerai. Il y a des gens aussi qui écrivent les paroles. Pour toi, j'aurais pu faire n'importe quoi. Ah, c'est bon, trois ça. Likes. Et donc, je vous invite à faire un petit tour sur cette page. C'est des likes volés Ça a l'air intéressant. Allez appliquer si vous êtes approuvé. C'est fait à l'instant. Ah ouais. Mais toi, tu passes tes samedis soirs là-dessus, tu disais. Ben, pas juste le samedi, là, ça commence à être pas mal... Ça prend la moitié de ta semaine. Ben, c'est ça, ouais. Tu sais. Quand t'es un fan, tu l'es pour vrai. L'es pour vrai, là, mais là aussi, j'attends des suggestions de futurs montages, là. J'ai pensé à faire un montage il y a beaucoup de hits. Par le vent. Oui, c'est ça, j'allais dire. Un coup de vent, là, un coup de vent, ça serait pas pire. Peut-être sur un voilier poussé par le vent. Ouais, ben c'est à la Titanic, là. C'est bon. Je cherche des suggestions. Genre, supposons un ours polaire qui encule un pingouin et t'écris n'importe quoi. Éric avec ça clistère. Puis il y a l'OD comme un gun aussi, je pense qu'il y a du potentiel là-dedans. Ah, l'OD, comme un barillet de fusil, puis il y a Éric qui est comme une des balles. Ouais, c'est un peu. Éric, c'est la tête d'Éric comme dans le barillet. C'est exactement ça que j'avais en tête. L'OD comme six têtes d'Éric. Ouais, c'est ça. L'OD comme un gun. L'OD dans un gun. Ah, merci à vous tous. Ça va devenir de plus en plus louche à chaque fois. Mais on va prendre les suggestions des auditeurs pour les montages. On va les mais ça, il y a beaucoup de hits, fait que c'est quand même. On peut durer longtemps là-dessus. Plein de possibilités. Si vous voulez aussi, il y a un souper de Noël qui s'en vient pour la communauté. Ouais, ils se rencontrent en plus. Pour What the Music, ils vont se rencontrer. C'est organisé par Show Sonny, qui est l'administratrice qui signe tous ces messages, chaque commentaire avec trois petits points chauds. Okay. Sinon, c'est chaud, genre un comme un spectacle. Okay. Puis c'est Saint-Hubert au Beau Delhi. Le 12 décembre. Oui, elle a une petite sortie. Qui est ici? Moi, je vais y aller avec toi. Amenez votre cuir. Chronique là-dedans. Ah, ben oui, sur le terrain. On est live au souper des fans d'Éric Lapointe. Ça sent le swing en tabarnak. J'ai hâte de vous voir là-bas, on va chanter. Ben écoute, on va du karaoké et tout, là. On va partir le party. Ça va être fou. Il va avoir des hosties d'épée. Merci beaucoup, Kasi. Merci, Kasi, pour la fanpage d'Éric Lapointe. Écoute, on va. Pas sa fanpage officielle. Non, c'est là, son groupe. Et si on veut voir ce que Kasi fait, on Google Robot Sucré. Ouais, Robot Sucré. C'est ça, voilà. On aime ce que tu fais. Sur la page. Et puis d'ailleurs, je tiens à dire que c'est toi qui suscites à date le plus de réactions live. Là, il y a plein de likes. Ça, c'est le fun. Ça déchaîne les passions. J'attire le like. D'ailleurs, je salue Marc-Antoine Maher qui nous écoute live dans sa douche, semble-t-il. Allô? Il n'y a personne qui a essayé le zizi électrique. C'est bien bizarre. Ben voilà. Sophie, t'es prête? Oui. Plugué sur 320. Ma belle Sophie, dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Yeah. Même la peine que tu traînes comme un bagage. N'est pas immortel. Hey, je m'ennuyais tellement de ce thème-là. Je l'ai retrouvé. Merci. Ouais, il était dans mes emails avec Guillaume Sigouin. T'as-tu la toune que je t'ai demandé ou pas? Ben, c'est pas grave, sinon. Oui, le thème des X-Files. Là, tu sais, moi, je m'ennuyais. Une de mes chroniques préférées avant, c'était les chroniques du paranormal de c'est vrai, hein? De Dodo, The French Guy. Oui, non. Non, ça n'a aucun rapport. Et là, il pue là. Je l'entends plus. Fait que là, je me suis dit, moi, je vais m'inspirer de ça et je vais continuer. Je vais suivre. Ouais. En fait, Dom, il est au festival de la fête encore. Ouais, ça fait des mois. Officiellement, il est pas revenu du festival. Si on suit la continuité. La dernière fois, il y avait des crânes puis des chandelles. Suivez les crânes! Et donc, j'ai suivi mon instinct et je me suis rendue dans la ville la plus paranormale du Québec, notre Erie, Indiana, et j'ai nommé Elmer. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà été à Elmer au Québec? Non, pas... jamais. Oh, Mathieu, comment tu t'es senti? Ben, en fait, je ne suis pas arrêté, mais je suis passé par là pour aller jouer au hockey et on avait perdu. Donc, on a dans quel coin, Elmer? Ou paranormal. Moi, c'est juste, c'est dans Gatineau, en fait.
Et c'est à côté d'Ottawa. C'est comme si tu traverses le pont puis tu es à Ottawa. C'est comme un remix dance de la toune. Tant mieux, tant mieux. Et donc, les premières fois où je me suis dit que Elmer était étrange, c'est que j'étais avec mon copain qui vient de là. Et oui, c'est un peu bizarre. Et à chaque semaine, sinon plus qu'une fois par semaine, on croise à Montréal ou partout ailleurs dans le Canada, je vous le jure, des gens qui viennent de Elmer. Donc là, je me dis qu'il y a peut-être derrière une espèce de secte de gens qui essayent de coloniser le Canada. Des reptiliens, peut-être. Oui, on ne sait pas. Donc là, je me suis rendue à Elmer moi-même. Oui, c'est ça. J'ai pris comme cover que j'allais dans un souper de famille. Ça n'est pas rien, ça. Et j'ai fait des enquêtes. Et là... And dance with the devil. C'est donc bien bon. Je sais pas, c'est la version de 5 minutes sur YouTube. Désolé tout le monde. Allez, cherchez tout ça. Hey, on laisse ça. Ah oui. Ça, c'est bien mieux de même. Bon, ben, tant il fait 40 degrés Celsius à Montréal. Hey, les fantômes, vous êtes où? Hey, ma gang de fantômes. Donc, les premières choses qui m'ont mis le plus à l'oreille là-bas, c'est dans les nouvelles. Déjà, il y a des meurtres tout le temps à Elmer. Des gens qui se font assassiner dans leur maison. Les radis dans l'anus. Il y a plein de descente policière pour de la drogue. Donc là, je soupçonne qu'il y a une sorte de drogue spéciale qui vient de Elmer. J'ai lu les nouvelles et on voyait qu'il y a un voleur spécial qui volait les gens, mais à chaque fois, le signe de son vol, c'était de déplacer les couteaux dans la maison. Ah. Une pratique assez étrange. C'est très Manson-esque. C'est très bizarre. Ça fait un très bon épisode de Erin Diana. Hey, d'ailleurs, c'est Manson qui s'est marié, on va dire. Charles Manson. Tant mieux pour lui, il mérite. Une autre nouvelle étrange, à un moment donné, il y a un alpaga qui s'est échappé et qui est allé se promener à Elmer. Ça arrive pas souvent, ça. Non, c'est ça, c'est vraiment bizarre. Sur le site de l'Association québécoise d'ufologie, on rapporte que le 27 juillet 2009, à 22h, il y a des lumières qui seraient tombées dans la rivière des Outaouais, suivies d'une forte détonation. Et bien sûr, dans l'article, ça disait « Que veulent-ils nous cacher? » C'est vraiment étrange. Et là, bien sûr, dans mon souper de famille, j'ai posé des questions un peu sur qu'est-ce qui se passe d'étrange à Elmer. Et l'oncle de mon copain racontait que chez lui, il y a des fantômes qu'il entend régulièrement et qui sont dérangeants. Il a même fallu qu'il fasse venir un exorciste. Oh, et là, en poussant les recherches, j'ai vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de fantômes à Elmer. Il y en a un sur la rue John Again. On lit un article dans le bulletin de Elmer, le journal local. Le journal officiel, on parle de fantômes. Ouais, c'est une chronique sur les fantômes de Elmer. Karen et Sally, qui étaient déménagées sur la rue John Again, leur maison était hantée par un... Ben, en fait, bon, ils ont fait venir un spécialiste de fantômes pour dire qui hantait cette maison-là. Le spécialiste qui se nomme... Marc Jade, un grand connaisseur de fantômes, il raconte que tout de suite, quand il est arrivé, il a su que la maison était hantée et c'était par un homme qui abusait des enfants. Il y a pas de blague à faire là-dessus. Monsieur pas fin et d'enfants qui pleuraient nus un peu partout dans la maison. Oui, c'est pas une blague. Il y a vraiment un article là-dessus. C'est comme un rêve pour Nicolas. Ça. Mais Valleyfield aussi, hein, c'est une ville, je pense, comme Elmer. Ça se peut. Oui, mais, ouais, mais je te dis Elmer. Ben, j'avoue que des gens de Valleyfield, il y en a un peu partout aussi. Ouais, c'est un peu louche. Oui, surtout ici. Sinon, il y a aussi la maison de Thomas Riley, qui était un ancien Soulon, qui avait une très mauvaise réputation, qui est mort dans sa chambre et il hanterait encore cette chambre-là. On l'entend dans le resto parce que c'est la maison, c'est maintenant un resto, le Bistrot Bordeaux. Et si vous allez à ce resto-là, on peut voir le fantôme et l'entendre. Et finalement, en 1880 et ensuite en 1948, on a reporté que dans le lac des Chênes, il y aurait un serpent vert sombre de 30 pieds. Le lac des Chênes. C'est le quartier trash de Elmer, des Chênes. Comme un lac. Ok, je pensais comme des chênes. comme c'est dommage intense. C'est le lac des Chênes. Il y a une rue qui s'appelle dans la rue des Abysses. Là. Faut que je trouve ça vraiment très loin de ça. Enfin, donc oui, il y aura un serpent de 30 pieds, donc un autre mystère à résoudre. En tout cas, il y en a un dans mes culottes. C'est une blague, Sophie. C'est une petite blague, ok? Donc, la prochaine fois, je vais prendre des photos. Je vais essayer de faire des reportages vidéo, photos, je vous dis, faites attention si vous croisez des gens de Elmer. Mais ne leur parlez pas. La rue Elmer, est-ce que c'est aussi hanté? La soupe aux tomates, Elmer. Non, ça, c'est Elmer en Ontario. Tu es hanté, la soupe aux tomates, Elmer. J'ai une petite histoire.
sur Valleyfield, là, Mathieu et moi, on a déjà habité ensemble. Ben, on habite toujours ensemble. Mais oui, ça commence à être louche au fil des ans. Mais à l'époque, on habitait à Valleyfield dans une espèce d'un appartement qui était en fait une maison qu'on louait. Puis un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis il nous a dit, je me souviens pas c'est qui a dit « Hey les gars, savez-vous où vous Dodo, habitez? » C'est Dodo. C'est Dodo. « Savez-vous où vous habitez? » Puis en fait, il y a un crime qui est arrivé à Valleyfield que tout le monde connaît. C'était une femme qui est enceinte. Et sa voisine est rentrée chez elle. Puis son rêve, c'était d'avoir des enfants, mais elle pouvait pas en avoir. Fait qu'elle a ouvert la femme, puis est arrivée à l'hôpital avec le bébé d'un mec. Moi, je me rappelle de ça. C'est arrivé chez vous. C'était chez nous. Puis, étais-tu là? Ben, il était plus là, il avait nettoyé. Ouais, mais non, vous étiez locataire. Ben, on était locataire. Oui, faut que tu le dises. Non, mais je pense que c'est pas locataire. Non, pas quand t'es locataire, c'est ça qu'on a appris. Quand t'achètes la maison, le locataire n'est pas tenu. C'est arrivé, puis on dirait que, tu sais, ben, on n'a jamais rien vu de paranormal, évidemment. À part, on a passé une couple de colocs, je te dirais. Genre, les passer en les tuant. Ben, ouais. Mais en fait, on s'en rendait pas compte. Ah, c'est ça. Sauf que, c'est ça. Tu sais, un coup que tu sais ça, t'es comme, oh, OK, c'est peut-être arrivé là. Bizarre. Valleyfield. Valleyfield. En fait, c'est vrai, on s'est jamais vraiment posé la question, tu sais, où c'est arrivé dans la. Ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est arrivé où, si tu es arrivé dans la chambre. Ça, je sais pas. Vous êtes pas très curieux. Dans la chambre à monnaie. Pas très curieux. C'est pour ça qu'il est arrivé des choses bizarres là-dedans. Il est arrivé des petites aventures. En tout cas, ben, pour deux gars bicurieux, vous êtes pas très curieux. Fait que c'est ça, ben merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Elmer, allez voir ça. Oui. Il reste 5 minutes, Étienne, t'as-tu 5 minutes de... Moi, j'avais une petite nouvelle, parce que... Mais ça va super prendre 2 secondes. Oui, vas-y. Parce que je veux tout le temps... Ça arrive souvent que je veux parler de sport à l'émission, mais tout le monde s'en calisse. C'est donc plate que t'en parles pas. À part moi. Le seul sport dont on peut se permettre de parler ici, c'est la lutte. Et là, j'ai réussi à trouver une nouvelle qui amalgame, qui est à peine un sport. La lutte et le hockey. Et le bingo. Parce que récemment, les joueurs du Canadien ont commencé à faire une célébration. Quand les joueurs du Canadien font un but maintenant, ils mettent les bras en X comme ça. Pareil comme à l'époque de D-Generation X. Là, les rumeurs ont commencé à circuler, à savoir est-ce que les joueurs du Canadien sont fans de lutte et est-ce que c'est vraiment un hommage à DX à l'époque. Et récemment, le gardien du Canadien, Dustin Tokarski, après un match, a mimé un stunner, le stunner de Stone Cold, à un autre de ses joueurs. Et là, tout le monde a confirmé que depuis quelque temps, les joueurs du Canadien font la célébration de D-Generation X et qu'il y a une grosse culture de la lutte au sein du Canadien de Montréal. Ben, vu que ça parlait de lutte, tu as eu le droit de le raconter. Ça. Voilà, c'est ça que je me suis dit. À un moment donné, il va y avoir un clown avec des nains. Ben, moi, j'attends ça. Là. J'attends la prochaine étape. Là. Ils vont faire un hommage à Chris Benoit. Quelqu'un qui peut-être le hockey à ce moment. Un hommage à Owen Hart, quelqu'un qui va tomber sur le coin de la bande. Hommage à Chris Benoit. Quel hommage. Un pentagramme avec des bides. Puis de rock, on va chanter l'hymne national. Il étrangle un enfant. Un Eddie Guerrero. Le petit gars qui tient le drapeau au début de la game, là, c'est Chris Benoit qui rentre en ce gars. Voilà. Il est cœur, hein? Ben écoutez, merci. Il reste 3 minutes maintenant, Étienne. T'attends-tu? Oui, ça me tente. Pas bouger. Bon, alors, je suis toujours partant pour ton thème. Mets ton thème. Hop là. Yeah. Bravo. Fait qu'aujourd'hui, je suis allé faire un tour sur la page de IGA. J'avais publiquement dit ici que c'était moins drôle que Metro, pis c'est vrai, je le soutiens encore, mais il y a quand même de quoi. Et cette semaine, je suis tombé sur un post de IGA du 15 septembre qui est en fait une espèce d'énigme. On a 4 images. J'ai tout le monde la misère avec les énigmes. Ouais, c'est pas facile. Un panier d'épicerie, des pommes, un pique-nique, puis une espèce de panier à vapeur pour faire cuire des légumes. Puis là, c'est marqué. C'est un rébus, ça, ou c'est... Ben non, c'est quel est le mot qui réunit ces 4 images? Donc, il y a quelque chose d'épicerie, de pommes, de pique-nique et à vapeur. Panier. Et voilà, la bonne réponse est effectivement panier. Il y a eu 432 réponses à ça en un peu moins de 23 heures et il y a 92% des gens qui ont trouvé la bonne réponse, tout comme vous. Ben, encore une fois, dès qu'il y en a un qui l'a aussi. Ben, apparemment, ça change pas grand-chose. Okay, il y a pas beaucoup de monde qui lit tous les autres commentaires, on dirait. Sur ces 92%-là, il y en a eu 9% qui ont jugé bon écrire un petit peu plus que juste la réponse. Là-dessus, il y a 23 personnes qui ont décidé de mettre un émoticône après leur réponse. Ah. Donc, il y a 15 sourires, 3 rires, 3 clins d'œil et 2 cœurs. Le rire, c'est le sourire plus gros, ça? Oui, avec un D, là, 2 points D. Combien de personnes ont mal écrit panier? Ah, c'est ça, j'ai pas compté. En P-A-G-N-I-A. Il y en a pas eu beaucoup, étonnamment. Il n'y en a pas eu beaucoup qui l'ont raté de mémoire. Il y a eu 2 LOL, 2 paniers LOL. 2 personnes qui ont cru bon souligner que tout le monde a la bonne réponse. Donc, ces 2-là,
0,5% des répondants ont lu les autres réponses. Okay. Et il y en a 0,8% qui ont indiqué que c'était facile. Si on analyse maintenant les mauvaises réponses. Hey, teste-moi IGA. Il y en a 5 qui sont clairement juste des jokes, même pas drôles, donc j'en parle pas. Il y en a 30, par contre, qui sont des mauvaises réponses, soit 6,9% des répondants qui sont trompés là-dedans. Étonnamment, de ces 30-là, il y en a 26,7% qui ont tous répondu « sac ». Comme bien sûr dans sac d'épicerie, sac de pommes, sac de pique-nique et sac à vapeur. Plus étonnant encore, 10% des mauvaises réponses sont santé. Une santé à pique-nique et à vapeur. Ah, oui. Puis deux personnes qui ont répondu pique-nique, tout simplement, comme le fameux pique-nique à pique-nique. dans les réponses qui m'ont le plus allumé, on a... Oui, je vais en rafale. Un panier, vos photos sont très belles, nous inspirent, merci, entre parenthèses, au3pierre.com. Petite plug en passant, c'est la meilleure place pour plugger son site. Ben oui. Ensuite, on ne peut pas nier que c'est panier. Panier, que c'est panier. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ensuite, santé. Puis dans le commentaire, je suis en dessous, panier, je me suis trompé. Il se trompe souvent, lui. Ouais. C'est-tu un éléphant? Oh, oh, oh. Ensuite, panier à vapeur, 10 points d'exclamation. C'est quoi ça? Ou même sac à vapeur, 6 points d'exclamation. C'est quoi ça? Ma réponse préférée de toutes, chariot d'épicerie. Mais écrit avec chariot avec A-U, d'épicerie pas de E, puis une virgule à la place de l'apostrophe. Ce qui me faisait que ça se prononce clairement chariot d'épicerie. Moi, je le lis comme ça. Ensuite, ketchup, liste, automne, tarte aux pommes, pudding vapeur, IGA, épicerie. OK, chariot, moi j'adore la pomme, plein et pain. Alors voilà. Page IGA, allez voir ça. Si Étienne, vous êtes reconnu. Il faut définitivement qu'on te donne plus que 3 minutes à l'avenir. Ah, merci beaucoup, Étienne Forêt. Merci Mathieu. Merci The French Guy. Merci le Destroyer. Merci les